Hey, allô là à tous mes amis, c'est Valentin et j'espère que vous allez tous très bien. Moi comme d'habitude ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 37e épisode du Let's Play sur Pokémon Saphir Alpha. Et dans le précédent épisode, nous avons appris que la Team Aqua allait tout simplement utiliser la gemme bleue qui se trouvait en haut du mont Memoria où on se trouve actuellement pour réveiller le Pokémon légendaire Kyogre. Et nous avons la gemme rouge. Mais pourquoi ils nous ont donné ça? Je sais pas, c'est une question. Mais enfin bref. Et du coup, dans cet épisode, nous allons nous rendre à l'endroit auquel on devait aller durant le précédent épisode. Et du coup, c'est parti, mes amis. Allons à l'endroit qu'il faut. Attendez, il y a juste quelques petits trucs qui me gênent. Voilà. Là, normalement, c'est bon, il n'y a plus rien qui me gêne. Hop. On va essayer de faire le moins voir par les plantes. Alors je pense, ouais, faudrait que j'évite de bouger trop mon tel ou ma 3DS, ça serait un peu ballot. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave, mes amis, nous avons tout simplement un petit poké. Bon, un Goélize, ça va encore. Faudra que j'aille soigner mes pokés, par contre. Donc, en retournant au centre Pokémon, j'irai les soigner. C'est vrai que j'ai pas pensé à les soigner. Alors, il faut aller en dessous. C'est bon. Allez, je crois que j'ai des cordes sorties, donc on va y en utiliser une. J'ai pas de cordes sorties. Il me semblait que j'en avais. Puis on a utilisé Max Repousse direct. Ah si, j'avais pas vu. Oh ça, j'en ai 5. J'en ai 5, donc ça. Et ça, j'espère que ça va pas me sortir au mauvais endroit. Oh si, c'est bon. C'est bon. Hop, c'est bon. Là, on peut se barrer. Où on doit aller? Ah dommage, un petit poké. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh, un polychambre. Oh, ça peut aller. Faudrait qu'avant la prochaine arène, tous mes pokés soient au niveau 45. Ça serait bien. Alors, le son de poké est ici. Et on va le soigner. Voilà. Allez mes amis, on va continuer notre petite aventure. Alors, donc le vélo pour aller un peu plus vite, on sait jamais, ça peut être toujours utile. On va descendre par là. Ça va être plus loin possible. Voilà. Normalement, il faut aller là-dedans, donc on va y aller. Alors, est-ce que là ils disent quelque chose? Non. Ah oui! Oh. Putain, il faut faire tout le chemin. Jusqu'à... Oh, par contre, mes amis, là, je vais couper parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Donc, mes amis, on se retrouve dès qu'on est au port pour le sous-marin, tout de suite. Allez, mes amis, on se retrouve. Donc, du coup, en finale, je pouvais utiliser 16 vols. Donc, j'ai utilisé sur mon... comment? Sur mon... Elle est belle parce qu'il pouvait la prendre. Et ça pouvait être vraiment utile, sincèrement. Donc, j'ai décidé d'utiliser ça. Ça peut être vraiment utile, mais voilà. Donc là, on est à poivre et sel. Et du coup, on va voir ce qu'ils nous disent. Donc, du coup, là, il y a Captain Poop qui dit « En effet, j'ai donc la ferme intention de poursuivre la mission d'exploration. Excellente nouvelle, Captain, mais encore de nous avoir... Merci encore de nous avoir accordé un peu de votre temps précieux. Un plaisir pour discuter de nouvelles découvertes. » Ok, eux, ils se barrent. Pourquoi lui, il se barre? Ouh là là, c'est la première fois qu'on m'interviewe. Quel stress, mais il a eu.
Oh, c'est toi, écoute-moi, tu ne vas pas en revenir. Nous avons fait une grande découverte en explorant les fonds marins. On a trouvé un endroit où vit un Pokémon ancestral que tout le monde croyait disparu. Ce lieu s'appelle la caverne fond de mer sur le chenal 128 et... Une deux, ça marche. En plus, alors, Captain Poop. La grande et glorieuse Timaqua va prendre le contrôle de ton sous-marin. Toutes les instances et unités de ton bateau va être l'élément clé de la prochaine évolution de l'humanité. J'espère que ça te fait plaisir. Bouhaha. Sérieux, la Timaqua, mais pourquoi ils font que ça? Vous avez entendu, on dirait bien que quelqu'un avec un microphone, ça venait d'où? À l'intérieur. Ça venait de l'embarcadère. Le sous-marin essaie de s'en emparer. Je t'en prie, viens avec moi. Ok. Alors, ce sont les types qui ont tenté de voler le pack des bonnes au musée. On va essayer de faire la voix assez du boss, voilà. Oh, tu nous as poursuivis depuis mon mémorial. Oh là, tu m'épares. Je peux que m'incliner devant autant de persistance et d'esprit justice. Mais tu sais quoi? Plus la peine de jouer au rôle. T'arrives trop tard, mon pote. Il nous reste Il ne reste plus qu'à modifier le sous-marin pour nous faufiler dans la grotte où l'eau dort comme un ronflex. Notre plan va bien gentiment porter ses fruits et le monde retrouvera bientôt son état d'origine. Mais si tu veux continuer à nous courser, fais comme ça te chante. Tu peux toujours nous rendre visite dans notre planque à Nenucric. Sarah et toi, ma belle. C'est à toi, ma belle. Je suis prête. Vous deux, occupez-vous du gamin jusqu'au départ du sous-marin. Compris, compris. Nous pouvons y aller, Arthur. Ok. Ciao la marmaille. Genre le rire diabolique et tout. Non, je vais devoir affronter les deux sbires hein, qui sont là juste à côté de moi. Je vais te montrer ce que je suis un virtuose même sur la terre ferme. Eh ben on va voir ça. Dans ce petit combat. Allez, l'envoi Grayeno. Bon, logique. Alors, si vous entendez un petit bruit de fond, je suis désolé, mes amis. Il fait intimidation. On va essayer de monter aussi le petit sprinter parce qu'il est quand même niveau 41 et les autres sont. Il y a 43, 44, 45, 46 et 47, je crois. Elle est paralysée, bon, c'est bien. Et il est paralysé, c'est nickel. Et normalement, une morsure, même si c'est pas très efficace, ça devrait le tuer. Et on est déjà à 8 minutes d'épisode. On va essayer de faire un épisode à saison pour celui-là. Et niveau 42 pour Sprinter. On va essayer de faire un épisode de 30 minutes. Il apprend éclair fou. Oh non, on a déjà 3 attaques de type électrique. Et Brasier monte au niveau 48. Ça monte très bien pour Brasier. Par contre, Brasier, il faudrait qu'il apprenne une autre attaque que Pic-Pic parce que. Alors, ok, les virtuoses marins ne sont pas faits pour se battre sur Terre finalement. Ah, vil déchet, tu vas t'acquitter devant le 26e spire le plus fort de Timaqua. Le 26e? Ok. Bon, ça va, 26e, c'est pas le pire. Elle envoie Carvana. Et nous allons faire un petit croc éclair. Ah, ben, on en a deux. Tiens, croc éclair, je pense que ça va lui faire du bien au Carvana. Un petit attaque de type électrique pour le paralyser et tout. Tiens, peau dure. Bon, c'est pas méchant, ça va encore. Ça retire quelques dégâts, mais c'est pas méchant. Allez. Et l'autre, c'est qui? Ah, Elben, niveau 46. Et l'autre, c'est Nosferalto. Attends. Bon, on va rester, vu qu'il est type vol, poison. Je pense que ça devrait être croc éclair. Voilà. 1000 d'XP quand même. Pour ces Poké. Moi, j'ai pas les dialogues qui disent la fin, ça aussi, c'est extrêmement important. Voilà. Attendez, là, je vais faire un petit renvoi. Attendez, je coupe mes amis et je reviens. Allez, c'est bon, mes amis, voilà. Comment ai-je pu, moi, le 26e sbire le plus fort de la Timaqua, m'incliner devant toi? Quel déshonneur! Mission accomplie, je fonce vers la planque pour voir l'avancée des travaux du sous-marin. J'ai hâte de savoir où ils en sont.
Genre, il passe entre nous comme ça, tranquille. De quels travaux parle-t-il, les misérables? Que vont-ils faire à mon cher sous-marin d'exploration 1? Impossible. Ils auraient-ils après le Pokémon ancestral qui dort au fond de l'océan? Ventin, pardonne-moi. J'ai bien peur que mon pauvre sous-marin ne soit utilisé pour répandre la désolation sur le monde. Il faut absolument se rendre dans le planque à Nénécrit pour les arrêter. Malheureusement, seul, je n'ai aucune chance. Ventin, j'ai un service à demander. Peux-tu me donner un coup de main? Je peux te conduire jusqu'à Nénécrit où se situe la planque Escalona. En échange, est-ce que tes Pokémon et toi pouvez atteindre l'ambition de ce cœur? J'en fais le sous-marin. Ouais. Embarquons sur le champ. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, j'aimerais savoir ce qu'il a fait. À mon avis, on a utilisé un truc pour directement se rendre à Nénécrit. Alors, je sais pas ce qu'il a eu. On a dû utiliser un petit bateau. On est arrivé à Nénécrit. La planque des gredins qui ont volé ce matin se trouve quelque part en ville. Ventin, je compte sur toi. Moi, je retourne au Cape Provençal pour poursuivre les réparations. Ok. Donc, du coup, on s'était rendu déjà à la planque au moins deux fois. Donc, si on sait pas où c'est. En fiston, ce n'est pas le moment. Ok. Bon, c'est pas grave. On va tout simplement l'utiliser pour. Hop. Ah, c'est pas la vie du vite. Allez, là, on va essayer d'aller plus loin, comme ça, on sera plus proche de la grotte de l'entrée. Alors, on fait surf et on entre dans la planque de la Team Aqua. Là, normalement, il n'y a plus personne. S'il y a encore quelqu'un, je comprends. Voilà. Là, il n'y a plus personne. Donc là, on peut y aller. Enfin. Enfin, on peut y aller. Allez, c'est parti, mes amis, à l'assaut. Donc, ouais, à mon avis, c'est une sorte de casse-tête. Donc, il y a déjà une petite boule ici. Et on trouve une pépite. Ok, c'est utile. Ça peut être utile. Mais à mon avis, avant la ligue, il y aura des trucs que je m'achèterai et tout. Alors, déjà, il n'y a pas de sbire durant cette première petite petit endroit. Alors, il y a quoi ici? Alors, on va essayer. Évidemment, il se retourne au moment auquel j'avance. Et franchement, en fait, je vais essayer d'avancer. Et après, au retour de toutes ces affrontées, mais après, voilà, ça serait long. Donc il y a Tadmorph, et... Faut une attaque de type psy. Je sais pas si j'ai un Pokémon avec... Ah si, j'ai mon Papillon. Papillon, il a... Rafale psy, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Il a Rafale psy. Lilipu. Oh non, pas ça. Son esquive veut augmenter. En plus, x2. Ouais, c'est Rafalepsy. Cradovague. Ça va. Tant qu'il n'empoisonne pas, c'est tout ce que je veux. Ah, c'est bon, il a réussi à attaquer. Rafalepsy. Ah, ça tue pas. Bomberk. Allez, empoisonne pas. Critique, vache. Yes, il a réussi à attaquer, c'est bon. Bon, après, l'esquive x2, c'est pas ouf. Ah, il a critique, je crois. Et c'est pas grave. Il va être niveau 45. Il envoie Carvana, donc on va changer, on va envoyer Sprinter. Allez. Carvana, Croc éclair. Et on n'en parle plus. Oh! Ou crochet venin. Ouais, c'est bon. Voilà. Oh, peau dure. Et Papillon, on est au niveau 45, c'est nickel. Allez, premier sbire battu. Je sais pas si c'est là ou si c'est en bas qu'il faut. Je pense qu'il faut aller en bas. C'est d'aller voir déjà ce qu'il y a ici. Attends, je vois c'est pas des objets. Alors. Il y a plein de trucs ici. Donc il y a une guérison. Et il y a deux sbires. Je sais pas si on les affronte ou pas. On va voir ça. On va leur parler. Non? La mer. Qu'est-ce qu'il dit lui? Ça peut marcher. Ok. Bon, on va affronter lui. Non, on peut pas les affronter. Ok, ben il n'y a pas de combat ici. Bon, tant pis.
Putain, déjà 15 minutes. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On a 15 minutes quand même. Faudrait que dans 15 minutes, on ait fini ce petit événement avec le... Alors par contre, si vous voyez pas bien, je suis désolé. Bon, si vous voyez, mais pas beaucoup à mon avis. Ouais, vous voyez, en fait, c'est presque flou. Donc franchement, je suis désolé. Hein. Voilà. 3200, c'est pas mal. Hein. Allez, hop, là on va en dessous. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une corde sortie. Oh, ça sera bien ça. Il y a quoi ici? Allez, on continue. On va toujours aller sur la gauche pour voir s'il n'y a pas des petits trucs. Green, ok. On va envoyer Braz et Gali pour faire un petit double pied. Ou sinon on fait Cro-Éclair directement. Parce que sinon on perd un peu de temps. Bon après voilà. Oh c'est pile à moitié. En plus j'ai paralysé. On pourrait le faire en... On pourrait le 2 HKO, ça serait ouf. Ça va être chaud quand même je pense. Allez, les mêmes goûts. Les mêmes coups. Allez. Oh un dégât. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. En plus, il y a deux pokés, je crois. Et Nosferatu, on va rester. Quand il faudra utiliser une super potion ou une hyper potion, quand? Ah, j'ai fait morsure. Météore. Voilà, c'est bon. Elle chuchote niveau 47. Il apprend mégaphone. Il a des genres bros. Avec de bonnes attaques, il a cassination. Je sais pas ce qu'il a d'autre. Je crois qu'il a éclate rock et tout. Bref. Nous, on va utiliser une petite. Ah, j'ai pu. Mince. Bref. Alors, du coup, il y a quoi d'autre? Ah, il y a là. Ok, on continue, mes amis. Est-ce qu'il y a là? Ah, une boule. Ah, il y a encore plein de trucs. Hein. Elle meurt d'ennui. On va déjà chercher la boule qui se trouvera au-dessus après le combo. Et on voit un Carvana. Putain, mais ils ont tous des Carvana, des Crayena, des Nosferatu. Je comprends pas pourquoi la hyper potion elle rend 200 de PV. Genre je sais pas, ils auraient dû faire... Tu vois, super potion, ils auraient dû faire 100. Alors, au lieu de 50. Mais là, c'est peu. Genre, la potion, elle fait 50. La super, elle fait 100. Et après, la hyper, bah, elle fait 200 comme elle est. Mais la potion et la super potion, ils auraient dû faire un peu plus. Moi, je dis juste ça. Après, c'est tant pis, voilà. Allez, Tanmorve, petit Ralpha et Psy, c'est bon, il touche, il y a quand même 10 niveaux d'écart, et il fait Lilipu, je le sentais. C'est bon, il arrive à le toucher, c'est nickel. C'est nickel. Allez. Aspire de Timaqua vaincu, donc on va aller voir le petit objet qui est au-dessus et il y a un sort de truc. Je sais pas c'est quoi. Une faible boule. Ouais ok. Attends, on va déjà boire parler à lui là. Voir ce qu'il veut. Scaphandre. Ah c'est scaphandre. Combinaison, ok. Il y a quoi là? Parce que c'est sa question. Oh, c'est quoi? Oh là punaise, on se retrouve. What? Oh, il y a une CD.
Vivre obscur. Oh, c'est utile. Allez, ça fait 20 minutes qu'on est en épisode, mes amis. On va essayer juste de finir le petit événement. Et après, au moins, on serait tranquille. Et après, on s'en arrêtera là pour l'épisode. Alors, désolé si j'ai pas tourné l'épisode hier pour que j'ai pas eu trop le temps. Alors, c'est quoi ça par contre? C'est quoi ça? Danger, ne pas jouer à l'intérieur, c'est dangereux. C'est quoi ça? Allez vite, dépêche-toi pour que c'est pas que c'est long, mais quand même. Alors, y'a quoi ici? Oh, on est où? Genre, attends, PP Max. Genre, on est à... Attends, on peut pas y aller, c'est trop dommage. Bref, allez vite, on continue. On va essayer d'aller dans les deux autres endroits qu'on a été, qu'on avait vu avant. Alors, c'était... Hop. On va juste aller voir parce que c'est un peu quand même bizarre. Tu vois, il y a deux interrupteurs. J'ai déjà affronté. Qu'est-ce qu'il veut lui? C'est trop. Ok. Ouais, bref, on continue. C'est vrai qu'on fouille partout un peu. Une petite boule. Bon, c'est toujours intéressant de fouiller un peu partout. Ok, voilà. Allez, hop. Non, je vais parler à lui. Voir s'il n'y a pas un objet à me donner. Qu'est-ce que tu fiches ici? C'est interdit aux visiteurs. Bah ouais, mais je suis venu ici pour régler le problème. Comme ça au moins il n'y aura plus de... pas de destruction de monde. On sait jamais. Alors, ici il y a quoi? C'est quoi encore ici? Bouge. Putain, mais il n'y a rien ici. Putain. Putain, la prise de tête. Ouais, là, on se dépêche un peu parce qu'on est à 22 minutes. J'aimerais bien qu'on se dépêche. On se dépêche un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, il faut aller. Ah non, merde, c'est de l'autre sens. C'est vrai que je me suis cru dans l'autre. Ok, il y a l'autre scaphandre à gauche, je crois. Ouais, il est bleu, c'est ça. Donc là, on continue. Et on va là. Allez, on s'en va. Alors, je suis en dessous. Directement, je dis juste ça. Ah bah, je crois que c'est ici qu'il faut aller. Mais on va juste affronter le petit membre qui se trouve là au-dessus. Voilà. Bon, on aura une chance sur trois de pas se tromper pour... attendez. Quand je monte juste un peu le son parce que à mon avis, vous entendez pas trop le son du jeu. Voilà. À Grayena, mes amis. J'ai monté un petit peu le son parce que je pense que vous entendez pas trop le son. Je pense, hein, je dis juste ça. Allez, croix éclair, mes amis. Ah, là, il pue... Chiant, là, le truc. Ouf. Ça fait 33 piles, donc... Oh, on va changer, on va pas prendre de risque. On va envoyer Brasier, qui est déjà niveau 48. Hein. Il est quand même niveau 48, Brasier, donc c'est pas... C'est pas rien, mes amis. Hein. Il fait grimace. Bon. C'est pas grave. On va faire double pied et on n'aura plus. Regarde, hop. Pied brûleur, cassination. Oh, il fait assurance. Voilà, allez, regarde. Regarde, tu vois double pied, bah tu vois plus. Allez, hop. Tu prends un pied, hop, t'as rien compris à ta vie. Allez, c'est pas grave. Hop, et go. Et quoi ici? Oh! Oh! Je crois que c'est ici qu'il faut aller. Donc, ce qu'on fait, on va d'abord aller en dessous parce que. Un peu ce que c'est que ça en dessous. Donc, je dirais. Allez, on vaut mieux pour le premier. C'est même pas ça. Allez, hop. Allez, c'est le 3, je dirais. Ah, ça, c'est bien. Donc, le... Donc, le 3. Wow, la galère. C'est un gros casse-tête ce truc. Alors attends, on recommence. Ça, ça. Ça on est au 3. Ensuite on est là, donc on n'a pas été là. On a mis ça à côté, c'est l'autre.
Voilà, j'avais, c'était ça. On revient où on a été, donc ensuite, et ensuite on va à gauche, et là on va au dernier. Voilà, normalement c'est bon là. Voilà, là c'est bon. Et il y a plein de boules. Ah, oh, une électrode, évidemment. Électrode, il fallait que ça soit lui. Eh, vas-y, j'ai pas besoin de toi. Une masse. Non, mes amis, une Master Ball. On a trouvé la Master Ball. Oh là, waouh. C'est pas rien, mes amis, parce que c'est quand même la ball de ouf. Voilà. C'est quand même la ball, je vous rappelle. Ah, mon Dieu. Et une pépite. On va encore se re-soigner, mes amis, pour le petit truc. Donc, hop, sac. Alors, attends, je regarde juste. Soda cool. Ça nous prend 60. On serait à 100 presque. Ouais, on va laisser. On va rester comme on est. Car on est super. Non, je rigole. Et bref. Bref. On va continuer. Donc, du coup, il faut se rendre. Bon, on va retourner au point de départ. Donc, justement, le mieux. Comme ça, hop, là on revient au point de départ normalement. Voilà, c'est bon. Allez, là il faut aller au-dessus. Il faut aller là. Et là il y a l'événement de Team Aqua, je crois. Allez, hop, on l'affronte. On va pas gêner. Hein. On va essayer de faire des gros épisodes pour la journée. À partir de maintenant, on va essayer de faire des épisodes de 30 minutes. Comme ça, je trouve qu'on avance correctement. Et au moins ça va. Voilà, on n'a pas pu. Bon, peau dure, c'est pas méchant. Avec 400 d'XP, on a battu, c'est nickel. Allez, go, on continue. Oh, il y a quoi? Oh, il y a le sous-marin. Oh ouais, ok. Oh, il y a 5 sbires. Oh. Encore toi? Attends, c'est la première fois qu'on se rencontre. Peu importe, tu m'insupportes. Reporte-toi. Les quintuplés ne font pas le quartier. Ouais, j'ai de quoi? Bon, là, c'est les 5, là. Évidemment, 5 Pokémon. Oh, hors de vie. Medino, allez hop, le truc. On va tous se les faire un par un. Allez, niveau 18 en plus. Allez hop, ils sont tous femelles en plus. C'est pas. Bon, par contre, vu que c'est Nord, ça va prendre beaucoup de temps quand même. Avec Roclair, le premier vaincu. Et 2-1. Allez, encore 4. Allez, courage, j'étais niveau 44. Fais morsure. Y a rien de méchant. Bon, par contre, vu qu'ils sont 4, ça va quand même faire des dégâts. Voilà, hein. C'est pas rien, hein. C'est comme si c'était un simple Grayénan. Allez hop, on va fondre, on met sur le milieu. Allez hop, Croaker, c'est bon. Voilà. Allez, le deuxième vaincu, tranquille et tout, voilà. Bon, on a gagné un tour, c'est nickel. Fais morsure. Vas-y, fais ton morsure. Voilà, 40 encore. Ah, 37. Ah, regarde, allez hop, ils sont plus que deux. Bon, on pourra me faire du coup critique, à mon avis, je pense pas. Regarde, morsure, hop, ça va me retirer 7 à peu près. On est à 26, on va refaire morsure, voilà. On est à 19 et à mon avis, il n'y aura pas de coup critique. Bon, je sais que c'est long, mes amis, hein, mais voilà. On est obligé. Voilà. Et encore un. Et hurlement. Allez, hop, on change direct.
Il nous en fait avoir. Ah bah c'est nickel mes amis. Regardez. Hé. Hey. Double pied. Allez hop. Au revoir. Bon bah on en a 30 minutes mes amis. C'est nickel. Il va être bientôt niveau 49. Je sais pas ce qu'ils ont dit mais j'ai pas envie de savoir. Bref. Ah ah. On s'est fait humilier. C'est louche. À 5 contre 1, on aurait dû n'en faire qu'une louchée, t'es sûr ? Que t'as pas triché, reste pas planté là de l'air. Les autres sont pas là, ils vont te payer tout ça. Ouais, bah on va aller voir ça. Ah, une petite boulot. Bah après, on s'en arrêtera là parce qu'on est à 30 minutes déjà. On a un rappel max, ça c'est grave utile. C'est grave intéressant. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ouais. Ah, bah il y a Mathieu. Oh oh, qui voit là? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas la première fois qu'un intrus s'introduit dans notre plan. T'es pas là pour rigoler, toi. Mais t'arrives trop tard. On a déjà modifié le rafio. Oh bah, ça se voit. Regarde-moi cette foreuse. Avec ça, le saut de la caverne fond de mer tiendra pas trop secondes. Arthur est dedans. Si tu passes sur le corps, t'auras peut-être une chance de rattraper. Qui sait? Mais bon, ça. Faisons parler de nos Pokémon. Bouh. Ah. Allez. Ça va chauffer toi, moi. Le Pokémon, c'est le moment de tout donner. Vas-y, viens, donne tout ce que tu as. Oh, le combo. Contre l'admin. Ok. Bon, Sharpedo. Bah, tranquille. Après, c'est un Sharpedo quand même. C'est pas rien, le Poké. Il est quand même niveau 49. 39. Mince, j'aurais pu. Ah, écoute, il faudrait qu'on le one-shot. Mais c'est très. Vas-y. Défonce. Oui, on l'a défoncé. Nickel. Oh, 1300. Ah, c'est nickel. Ah, 3900 quand même, Dix, de Poké Dollar. Qu'est-ce qu'il dit? Ah ah. Bon, je me suis fait. Oh, bah, il se barre direct. Allez hop, je me suis. Allez hop, casso. Je me casse, je me barre, je me taille. Voilà. Mais pendant qu'on se battait, il a dû finir préparatif. Tout ce que je veux, c'est qu'Arthur atteigne son but pour un final. Arthur, c'est notre boss. Notre boss, c'est tout pour nous. Je donnerai ma vie pour lui. Bien. Toi, tu m'as battu. Alors, tu pourrais peut-être comprendre sa grande utopie, son monde. Arthur a mis cap vers le fond, loin après New Creek. Là-bas, tu pourras peut-être entrevoir le monde dont il rêve. Le commencement du commencement. Les gens les plus normaux ne peuvent pas y entrer. Pour ça, il faut. T'as qu'à faire un tour dans la ville de bord de mer. Qui sait, ça te donne peut-être des idées. Bon bah mes amis, vous savez quoi? On va s'en arrêter là pour cet épisode. On a fait pas mal de trucs dans cet épisode. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je pense que c'est retour à zéro. Ouais, c'est ça. Donc mes amis, je pense qu'on va s'en arrêter. Ouais, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Donc on va s'arrêter juste devant la planque. Donc j'espère que c'est ce 37e épisode du Let's Play sur Pokémon Saphir Alpha vous a plu. Dans le prochain épisode, on ira sur la prochaine route, je pense. Pour continuer notre aventure, on va même déjà s'y rendre tout de suite. Je pense. Il n'y a plus rien. Ouais, il n'y a plus rien. Ouais, il n'y a plus rien. Mais on va quand même s'y rendre maintenant. Donc j'espère que ce 37e épisode du Let's Play sur Pokémon Saphir Alpha vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. On va juste se remettre derrière, c'est pas grave. De mettre un gros pouce bleu. De commenter et de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour la suite. Et surtout mes amis, restez comme ça car vous êtes super. C'était Valentin. Bye tout le monde.